Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi Bonjour l'histoire. Lucie. Bonjour Evans. Quel sourire. Donne-moi la nouvelle. Pourquoi es-tu si excitée? Ne sais-tu pas qu'il y a une nouvelle émission sur la plateforme Vision d'Espoir intitulée Histoire de l'Église? Histoire de l'Église. C'est tellement intéressant de connaître le passé de l'Église. C'est tellement intéressant de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Ne vois-tu pas aussi que l'avenir est déjà assuré? C'est vrai que les sages disent toujours pour s'assurer du présent et mieux appréhender l'avenir, il est important, indispensable même, de connaître le passé. Pour l'année 2024, Radio-Télévision d'Espoir fait provision pour tous ceux qui ont bonne oreille. Eh bien, je vais inviter des amis alors. Oui, chaque vendredi avant l'ouverture du sabbat et des reprises chaque dimanche et mardi entre 5h et 6h. Oh là là, conserve ton beau sourire et ta soif de connaître le passé de ton église, Lucie. À bientôt alors. Oui, sur Radio-Télévision d'Espoir, Histoire de l'Église, chaque vendredi et reprise dimanche et mardi. Ciao. À bientôt. Notre Seigneur et notre Dieu, mes petits tuyaux, une fois de plus, qui sont sur Radio Vision d'Espoir,
dans le cadre d'émission Histoire de l'Église. Je vous demande, vous t'en prie, restez avec nous, restez avec l'auditeur, retirez toute trace péché qui, à travers les ondes, en façon pour parole loi capable de passer très clair. Père des cieux, encore une fois, nous pas rien. Seul ça nous connaît, nous fait la planche dans la main. Nous quittons utiliser nous. Et papa, Kounye là, n'a pas les pour. T'en prie, permettre que l'émission en passe très bien. Nous pas prions en vertu de nos mérites personnels. Mais au nom de ton fils Jésus, lui qui vit, dès à présent, pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Frère, Samuel, bienvenue une nouvelle fois sur Radio Télévision d'Espoir dans le cadre d'émission Histoire de l'Église. Une émission que nous commençons depuis le mois de janvier et nous toujours dans la première période là. Et nous songeons que dans la première période là, Nous t'ai gagné pour nous connaître. Nous t'ai ouais qui ça l'église. Nous t'ai ouais les sources de l'église. Nous t'ai ouais le monde ancien à la naissance de l'église. Et nous t'ai vu ouais la fondation de l'église. Yon l'église qui fondée sur le roc qui est Jésus. Et puis
qui partit avec qui partit de façon officielle à la Pentecôte avec les apôtres. Et frère Maxime, nous ouais depuis l'église ça a commencé, comment évangélisation t'a faite à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et qu'on est là nous dans les extrémités de la terre. Et parti ça, l'irélé conquête de l'évangile. Faut non pas oublier. Histoire de l'église, c'est une émission côté que moi-même, moi pas gagné pour me faire commentaire. Moi pas gagné pour me dire ça, me penser. Histoire de l'église, c'est une émission pour nous raconter exactement comment bagaille ont passé. Parce que faut nous connaît comment toute bagaille était déroulée avec apotio, bon moment ont passé, mauvais moment ont passé, épreuve ont enduré, souffrance que ont fait face. Parce que c'est eux-mêmes qui commençaient l'église là. Mais même dans la même situation ça que ont trouvé l'église a été commencé, eh bien tout le monde qui a triomphé avec Jésus dans fin temps qui dans l'église là toujours yo même qui pral fini et fait dernier travail l'église là n'a gagné pour nous passer par même épreuve avec apôtre même souffrance yo n'a enduré même bagaille. C'est peut-être ça histoire de l'église li très très important pour nous tendre, pour nous comprendre et pour nous ouais. Nous ouais que histoire de l'église nous t'est arrivé avec l'apôtre Paul qui était à Éphèse et nous t'est ouais que bagayo yo pas facile. Nous ouais apôtre Paul t'est utilisé toute qualité technique que li t'est connaît jusqu'à ce que nous t'est arrivé ouais que même lettre tout monsieur t'est qu'on écrit lettre ça était très important parce que c'est pas uniquement bâtir l'église prêcher mais t'es gain tout pour Paul t'es consolider chrétiens qui t'est en dedans yo et nous t'est vinn ouais que l'église Corinthe t'es gain un gros problème. Yo te retombé encore dans même immoralité roi. Yo te retombé encore dans l'apostasie et dans émission passée a nous te wè Paul qui te écrit yo, Paul qui t'a parlé avec yo pour en mettre yo sur la bonne voie, pour mettre yo sur la voie de l'église de Jésus-Christ, sur la voie de l'éthique chrétienne et nous pral wè que monsieur te vinn pran un exemple de une série de gros compétitions en course à pied qui t'est gagné Corinthe et monsieur t'est montré que moun sa yo t'est consenti toute qualité et effort possible et imaginable pour yo wè si yo t'a gagné course ça et nous-mêmes qui dans une course pour l'immortalité frère Maxime yo comment nous devons comporter nous? Comment l'Église Corinthe là te doit comporter? Encore une fois, bienvenue à notre émission Histoire de l'Église. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision l'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
toujours dans le but de convaincre les chrétiens de Corinthe concernant l'importance d'une vie bien disciplinée, soumise à la tempérance et animée par un désir sans pareil de travailler pour Jésus, Paul a continué dans l'épître aux Corinthiens, toujours pour lui parler de comparaison entre le combat que le chrétien doit mener et course à pied qui était qu'on organisait dans certaines villes à l'époque. Paul montrait que contraste qui existait entre la couronne éphémère de laurier que yote kon mette sous tête moun qui te kon remporte kousay et la couronne de gloire immortelle offerte à tout chrétien qui courit sans yo pas garder derrière jusqu'à la victoire finale avec Christ. Paul déclarait: tous ceux qui combattent le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Les rappeler Grecio que Monsieur Sayo, les rappeler Corinthio que Monsieur Grecio pas épanier tête aucune fatigue. Yo pas épanier tête aucune discipline. Pour yo te gagner une couronne corruptible. Alors que nous-mêmes nous ta dû travailler encore plus parce que couronne panne c'est la vie éternelle et nous pas gain le choix. En tant que chrétien, faut que nous consentions à faire plus de sacrifices, à dominer passion nous, à renoncer à tout ça qui peut glorifier Dieu pour nous capables de triompher dans la lutte. D'ailleurs, dans l'épître aux Hébreux, Paul dit: rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Lydie Corinthiens, si vous voulez triompher dans la course qui mené à l'éternité, yo doué rejeter l'envie, la méchanceté, les mauvaises pensées, parler moun mal, médisance, convoitise. Il dit tout ça yo, c'est fado, c'est une série de habitudes, c'est une série de actes qui conduit à pécher et qui déshonorait le Christ. Donc, tout fardeau sa yo, le ou ses chrétiens, ou doué abandonner yo, quel que soit prix, sa capable coûter. D'ailleurs, il dit que la bénédiction divine, personne moun pa ka joigni, si ou a violé les principes éternels du bien. Un seul grain péché que yon moun caressé li suffit pour pervertir le caractère tout entier et désorienter ses semblables. Nous voyons le plus souvent qu'on a une série de moun qui introduit une série de problèmes dans l'église. Mais on connaît des fois, moun sa yo kon repenti,
Mais problème nan getan tellement aller loin que gen en pile moun qui getan perdu. Donc c'est peut-être ça, un seul péché qui a conduit à désorienter complètement semblable ou même leur ou même ou ta capable ou repenti. Oh, Jésus t'a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Mes amis, c'est pour sauver corps ou qu'à couper main ou à pied ou si ou doit même arracher un jeu. Eh bien, mes amis, Jean-Paul dit là, à plus forte raison, chrétien doit chercher à abandonner péché. Il te dit, chrétien corinthien, yo doit chercher pour yo abandonner péché, ça yo que yo retombe là-dedans pour nan yo pas perdu. Et puis belle cause Paul pral di yo, il dit yo que les athlètes dans les jeux antiques, malgré toute détermination yo te gagné, yo pas sûr que yo ta pral remporter victoire vrai. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Quel que soit Jean lutte la teye entre coureurs, c'est un seul qui a remporté prix. C'est un seul couronne qui t'a gagné, pas de gain deux. Gagné coureur qui contenté dans un dernier effort suprême. Pour yo wè prix à tout près yo wè couronne tout près yo wè la gloire tout près yo. Et puis ou t'a dit que dans moment y a plongé men yo. C'est dans moment ça gen un moun qui te gen plus énergie passé yo, moun ça doublé yo et c'est moun ça qui remporté course là sous yo. Paul dit heureusement combat chrétien, c'est pas même bagaille. Il dit aucun chrétien du moment que yo répond condition yo persévérer dans lutte là avec désintéressement jusqu'à la fin, moun sa yo pa gen droit désappointé sur la ligne d'arrivée. Amen. Parce que course chrétienne, c'est pas une course de force et de vitesse. Course chrétienne, même moun ki pi faible, depuis li kembe ferme, li palage, li même tout, l'ap genyen yon couronne éternelle. Tous ceux qui, par la puissance de la grâce divine, mènent une vie conforme à la volonté du Seigneur, seront récompensés. Ils ont la possibilité de triompher. Seul bagay, chrétien corinthien te doué qu'on est. Yo pa dwe rete chita sou loye yo. Fòk yo antrene. Fòk yo goumen pou yo avanse. Parce que récompense la pou jwenn ni li proportionnel a ardeur
et énergie que vous dépensez dans la lutte là, li proportionnel à façon ou appliquer les principes de la parole de Dieu dans la vie. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même les compare tout comme un coureur qui est dans le stade là. Et il a tout, l'a entraîné, l'a discipliné tête lui. L'a couru. Paul dit, moi donc, quand je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vraiment, c'est une phrase, ça. L'entendez que c'est l'apôtre Paul qui dit, c'est une phrase qui peut faire nous trembler, oui. L'apôtre Paul qui dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pour Paul, pas rentrer dans compétition par chance ou au hasard. Paul dit que l'étape entraîné sévèrement. Encore une fois, Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Ça veut dire que Paul pas de limite pour te gagner une discipline rigide sur tous ses désirs, sur toutes ses inclinations, sur toutes ses passions. Ça, Paul te pipe, c'est que c'est là qu'il t'a fini de prêcher l'autre chose. Et puis qu'on y est là lui-même pour ta ouais mettre la cap d'il dehors chien ba jam konnen ou waouh Paul dit Corinthiens au lui-même li mettait en pratique principe que la bayo li mettait en pratique tout ça que li di yo. Li di, Conquérant Pacifique, page 279, qui a parlé de comportement de Paul. Li di, son comportement, son influence, sa résistance aux tentations devait montrer que sa religion n'était pas simplement une croyance, mais une vivante et constante communion avec Dieu. L'unique but qu'il se fixait et désirait vivement atteindre, c'était la justice qui vient de Dieu par la foi. Est-ce qu'on connaît le tragique des siècles, là où il y a un jeune jour à Jean-Guyre? C'est le livre qui est plus important qui sortit en ma main, il est noir. Et c'est le livre qui prend plus de temps pour servir le Seigneur à écrit. Est-ce qu'on connaît le livre Tragédie des siècles, ça? C'est le seul livre dans le monde chrétien qu'on doit avoir un détail sur ce qui est passé dans le ciel là avec Lucifer, qui c'est Satan. Ça qui est arrivé sous terre avec les parents de nous. Sur l'apostasie qui est entrée dans l'église là pendant l'époque Moyen-Âge. Là. Sur les formes là, qui étaient venues exactement se retourner dans la vérité parole de bon Dieu. Là. Sur l'église ça, que Satan a dirigé sous terre. Après, nous l'attirer de l'autre cause encore. Est-ce qu'on connaît Satan qui fait tout ça capable? Il était même arrivé à frapper ses notre Seigneur physiquement pour t'empêcher de dévoiler tout le vieux plan de l'eau. Dans le livre ça, est-ce qu'on connaît Tragédie des siècles? C'est le seul livre dans le monde chrétien qui est vérité pour tout le temps que tout le monde sur la terre le connaît. C'est peut-être ça, Radio-Télévision d'Espoir, porté pour émission ça qui est la Tragédie des siècles.
émission ça qui a passé chaque dimanche soir de 8h à 9h sur toute plateforme et qui a repassé dans vendredi, c'est pour un moyen pour tendre, pour comprendre qui ça qui est venu dans longtemps yo et qui ça qui attend nous dans tant que qu'elle vient là yo. J'ai l'espoir attend nous pour qu'a bien comprendre la réalité qui devant nous journée aujourd'hui. À bientôt. Tu es obligé de parler avec chrétien Corinthio sous façon loué bagayo, sous façon lité ou propre vipal, parce que li connaît que vipal c'est ap yon lutte en permanence contre le mal jusqu'à ce que le mouri. Et c'est là tout que l'ita remé Corinthien au rivé. Paul te comprend que l'ité doué observer une discipline sévère et soutenue pour que les désirs de ce monde ne l'emportent pas sur sa vie spirituelle. Mes amis, mais ça qui est important, oui, dans l'histoire de l'Église, hein? Si ou moun ou pa ka comprendre écriture Paul yo, sou pa ka ou li bataille Paul tap mené yo, la difficile pour nous kembe nan fin temps. Paul dit c'est peut-être ça que li même li tap lutté à toute force li contre ses penchants naturels. Et moun ça li offri nous tout bagay pour nous virer do bay bon Dieu. Paul avait constamment les yeux rivés sur l'idéal qu'il s'était fixé. Et pour te atteindre, li connaît que faut li te goumé en obéissant gaiement, joyeusement, fidèlement au commandement de Dieu. Parole li, acte que t'a posé, affection que li t'a montré pour l'autre, affection que t'a montré pour bagay essentiel nan vie. Toute ville te doué placer sous le contrôle du Saint-Esprit. But unique que Paul t'a gagné lui-même, son seul but qu'il t'a voulu atteindre, c'est obtenir la vie éternelle. Et Paul parlait avec Corinthiens comme ça, c'est parce que ces mêmes bagailles-là, il t'est souhaité pour yo tout. Paul connaît très bien pour river à atteindre l'idéal du Christ, pour nous river à sembler nous à Christ. Il connaît que l'étape gagnée pour mener une lutte qui pas admettre aucune défaillance. Mes amis, frères, sœurs, t'en prie, mandez bon Dieu pardon, abandonnez vieux péché nous yo. Ou pas ouais, Paul dit que pour parvenir à l'idéal du Christ, il connaît que il t'a gagné pour lui soutenir une lutte qui pas admettre aucune défaillance. C'est pour ça il était exhorté Corinthiens yo à combattre conformément à la loi divine jour et nuit en recherchant la piété et la perfection morale. Il était supplié Corinthiens yo pour rejeter tout fardeau qui a pesé yo et pour te courir vers le but, vers le caractère du Christ,
vers le but de la perfection en Christ. L'apôtre Paul te prend en exemple le peuple d'Israël pour le montrer aux Corinthiens yo que peuple ça il te recevoir de très riches bénédictions, c'est là il était fidèle à l'Éternel. Et tout l'Éternel t'est châtié yo le haut transgressé la loi. Li rappelé yo miracle que bon Dieu t'est accompli pour peuple ça les ont été sortis en Égypte. Comment yo t'est protégé par un nuage pendant le jour et guidé par une colonne de feu pendant la nuit. Oui, li expliqué yo comment que le haut est arrivé la mer Rouge. Yo t'ai traversé li sans que yo pas perdu un seul moun, tandis que Égyptien yo qui t'a pral essayé franchi même gens yo t'ai ouais que Hébreu yo t'ai passé yo et bien tout net t'ai englouti par les eaux. Bon Dieu t'ai montré par miracle ça yo que li t'ai reconnaître peuple Israël comme l'église li. Oui, conquérant pacifique dit nous, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont été formés une communauté avec un seul maître. Conquérant pacifique continuait car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. C'est le Sauveur qui conduisait les Hébreux dans toute leur pérégrination. Oui, Paul pas de exemple que li pas t'a quitté une façon, li pas quitté aucun exemple d'ailleurs pour Corinthiens yo ka comprendre ça veut dire et pour ka comprendre dans combat que yo yé et nous-mêmes toujours dit à nous devons lire l'histoire ça pour nous bien comprendre, pour nous être bien dans qui combat que nous y est. Définitivement, dans l'exhortation Paul, il n'a pas décidé de cacher rien à Corinthiens. Il dit comme que malgré les bénédictions que mon Dieu t'a accordé à peuple hébreu, eh bien, peuple, ça t'a pral attiré sous lui-même les jugements de Dieu. Parce que peuple, ça t'a gagné des regrets à cause de quelques avantages, soi-disant, yo t'a laissé en Égypte. Et par la suite, yo t'a pral péché, yo t'a pral rebellé. Paul exhortait Corinthiens, yo pour prêter attention à leçon qui dégageait de expérience peuple Israël là pour yo même tout pour yo pas tomber dans même bagaille là. Paul dit: "Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu." Li expliquait à Corinthiens yo l'amour des plaisirs et de la vie facile, t'as pral préparé la voie au péché d'Israël qui t'as pral provoqué la vengeance divine. C'est un moment côté que les enfants d'Israël, yo te chita, yo t'a mangé, yo t'a boué, et yo te levé pour yo diverti yo. Le divertissement, encore le divertissement, lit sous toutes ses formes dans notre monde. Lit dans le club, lit l'école, lit la caïnou, lit dans la télévision, lit dans le jeu vidéo. Frère Maxime, yo, apôtre Paul dit que c'est dans le moment que vous êtes levé pour vous divertir qu'ils rejetèrent la crainte de Dieu.
Satan intelligent, des fois il pas attaquer nous de front. Mais il est toujours bon petit plaisir la filer en bas pied ou en bas zèle ou en bas jet ou en bas main. Une fois qu'on prend ni, eh bien le ça il commencer à mener côté que il t'a voulu. Et apôtre Paul t'a pral dire que c'est dans moment ça que yo même peuple Israël dans moment divertissement ça yo c'est là yo t'a pral faire un veau d'or comme représentation de l'Éternel et yo t'a pral adorer veau d'or ça. Oui, yo dit que c'est là où t'es fin réjoui yo. Le boisson fin a coulé, le yo fin addicté à sa yo ta faire au cours d'une brillante fête donnée en l'honneur de Baal Péor, qu'un bon nombre d'entre eux se livrèrent à l'impudicité. On est technique, Paul fait ça là par l'exhortation. Paul, c'est un bagage extraordinaire. Alors que Paul connaît très bien que yon nan bagay ko etye yo tombe tout bon, c'est l'impudicité ou équivalent trajet Paul fait et puis pour lui vini bien direct et sans heurt à reproche que li te vle adresse Corinthien yo. Et puis l'elle fait ça, il fin parler au de que c'est l'heure ça yo te vinn livrer, le peuple hébreu a fin livrer à l'impudicité. Il pral montrer au que c'est l'heure ça la colère de l'Éternel s'embrasa et il en fit périr 23 000 en un seul jour. Le apôtre la fin dit Corinthien yo ça, c'est comme si li pata vle tout pour 23 000 ta tombé et tout dans un seul jour. Ou senti que là apôtre Paul s'est imploré, il t'a imploré Corinthien ou l'a dit oh, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui. Le par exemple nous fait ça. Yo pense yo se docteur, yo pense yo konnen passé tout moun. Yo commencé vin ap orgueilleux, trop sûr de même. Et l'autre moun yo ki a fait ça pas ça yo, yo commencé ap négliger veiller, y ap négliger prier. Alors, c'est là yo capable tomber dans yon grave péché qui capable attirer sou yo la colère divine. Là, Paul était très sévère, mais c'est pas parce que il t'a parlé avec sévérité que il t'a voulu décourager Corinthien yo ni jeter yo dans le désespoir. Au contraire, là il fait ça, il fin dit ça yo, il pral essayer assurer yo pour le dire aucune tentation ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc Paul, tu voulais montrer Corinthiens yo, oui, yo capable goumen contre la tentation. Yo capable goumen contre le péché. Et à côté de moun que niveau moral yo té baissé très bas, Paul t'a pral parler avec un autre catégorie. Parce que té gen en pile nan Corinthien yo qui té arrivé rejeter la doctrine de la résurrection. Et Paul t'a pral mettre toute ça qu'on est à terre pour combattre hérésie ça
l'élite portait un témoignage irréfutable de la résurrection de Jésus-Christ. Le saint Paul dit, oh, après sa mort, Jésus est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures que Paul t'a répétées, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Qu'un voyage à voyage. Qu'un voyage ou tellement ou belle merveille, ça m'a qu'il la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement m'a qu'il la vie, mais qui m'a qu'il pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Frère Maxime, yo, sous vision d'espoir, nous toujours dans l'émission nous, Histoire de l'Église. Histoire de l'Église, c'est pas prédication. Histoire de l'Église, Lila pour le raconter nous comment bagaille t'est passé. Lila pour le raconter nous histoire l'Église là. Histoire passée. Pour une façon là nous vienne tomber sur le présent pour nous-mêmes pour nous connaître qui ça n'a fait parce que disciple hier, disciple jodia, disciple demain, c'est même combat. Nous voyons que Paul t'est sous tout front, lui répond mon qui t'est tombé dans apostasie, dans paganisme, qui retombé dans impudicité et kounye la Paul après répondre mon qui t'est rejeté la doctrine de la résurrection. Et c'est avec une force convaincante que l'apôtre Paul t'a énoncé la grande vérité sur la résurrection. D'après Conquérant Pacifique, page 284, Paul t'a dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Paul t'a pral transporté en esprit chrétien corinthio dans ça qui t'est passé dans matin dimanche ça que Jésus t'es ressuscité. Paul dit, yo, moi pral raconter nous un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles.
et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Allah yon belle victoire, Capitaine Chrétien yo. Apôtre là, t'as essayé, t'as cherché à tirer attention Corinthien yo sous bagay qui te ka levé nam yo pour te capable détourner de l'égoïsme, qui te capable détourner des plaisirs charnels. Donc, le lap raconte yo histoire ça, le lap raconte yo victoire sur la mort. C'est une façon pour le mande yo, pour yo glorifier vie que bon Dieu ba yo a et apporter et porter un espoir pour yo parce que très bientôt c'est pour l'immortalité. Oui, l'été supplié. Chrétien yo, pour yo te rete fidèle, pour yo te rete attaché à vocation yo wa, pour yo te rete fidèle à objectif que yo te gagné. Le li dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sous parole sa yo, c'était presque la conclusion pour première lettre que Paul t'a écrit Corinthien yo. Il t'a utilisé des arguments irréfutables grâce au Saint-Esprit pour t'a essayer corriger toute idée erronée, toute pratique dangereuse qui t'a gagné dans mitan l'église Corinthe là. Il t'a parlé avec eux sans détour, sans langue de bois, sans voyer roche caché main. Mais que il t'a toujours rempli d'amour pour frère Axelio. Il t'a adressé aux des reproches. Il était adressé aux des avertissements, mais c'était juste pour être capable de montrer le chemin pour le suivre là. Et Paul était toujours connu que il était gagné la lumière de la parole de Dieu qui t'a aidé à faire travail ça. C'est comme ça, tout péché secret qui t'a déshonoré l'église Corinthe là, tout péché sa yo, yo te dévoilé, yo te démasqué. Alors que Paul fin écrit comme ça, avec assurance que bon Dieu te avec lui, mais kounye la, Paul commence à poser tête les questions. Paul a demandé lui, est-ce que dans façon que il était écrit, est-ce que il pas blessé quelque monde normalement qui était doué bénéficier de tout ça que il écrit? Paul était même un peu pour lui pas perdu confiance monde qui t'a pris lio au point que Paul a demandé tête lui, mes amis, est-ce que l'ité doué écrit Corinthien yo? Nous connaissons
Le par exemple où c'est un dirigeant qui est Paul en but à des divisions dans l'église, à l'ingratitude, trahison de l'autre monde. Donc là comme ça ou vini à chercher sympathie ou vini à chercher secours, Paul t'es ouais que c'est vrai que en Corinthe t'es en bas danger péché, li t'es ouais très bien que yo t'es adonné yo à iniquité. Li pas bien le choix, faut li t'es écrit pour yo t'es capable censurer péché yo, parce que li connaît que bon Dieu pas joué avec péché. Ben Paul te peur qu'on y est là pour le pas t'écrit avec trop de sévérité. Qu'on y est là, Paul l'attend avec un pile anxiété. Comment mon Corinthe ça yo pour l'accueillir tout ça que li écrit là yo. Entre-temps, Paul décide de partir pour un nouveau voyage missionnaire. Et cette fois, il espérait visiter une fois encore ancien champ que lui était bâti en Europe. Et c'est comme ça lui t'a pral parti. Et il t'a pral campé à Troas pour prêcher l'évangile. C'est vrai que là, il t'a joindre quelques monde qui t'est prêt pour recevoir message lia. Quand même, il t'a parlé de bon Dieu à Troas. Mais il pas tant rété en pile. Mais il n'est pas traité en pile dans la zone ça, quoique il était bien accueilli. On dirait que tout autant que Paul n'a pas joint nouvelle sous Corinthe, Paul n'a pas senti que il est à l'aise. Il était espéré que il a joint titre dans la zone. Non? Parce que c'est titre qui t'a gagné pour te porter réponse corinthien au Bali. Malheureusement, le li rive là, titre lui-même, li pote ko rive. Et m'a caché dit non, Paul, t'es très déçu. Côté Paul dit, je n'ai point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas titre, mon frère. Automatiquement, monsieur t'apprend à quitter Troas. Il t'apprend à passer à Macédoine, puis à Philippe, côté que il t'apprend à aller rencontrer Timothée. Malgré que Paul t'est inquiet au sujet de l'église Corinthe là, mais tout li te gardé espoir parce que li connaît que ce n'est pas par la puissance ni par la force
mais c'est par l'esprit. Mais malgré tout, Paul, t'es accablé de tristesse. Il est toujours à mettre dans tête, il a posé tête les questions pour lui dire, est-ce que conseil ça on te voye aller à, est-ce que exhortation ça yo que moi te voye aller à, est-ce que yo pas mal interprété? Paul t'a pral dit, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Ah, bon, mon Paul Taptanan, qui était pour bal nouvelle, Corinthien yo, dans l'être que l'ité voyé ya, mon sa a été arrivé. Comment Corinthien yo t'es accueilli première lettre ça? Tite expliquer Paul tout bagay. Mais nous-mêmes, c'est dans prochaine émission n'a connaît comment ça t'est passé. À bientôt pour une prochaine émission. Notre Seigneur et notre Dieu, nous remercions pour grâce, nous remercions pour fidélité. Merci parce que vous êtes avec nous et avec tout frère, nous, avec nous qui sous vision d'espoir. Nous sommes sûrs et certains que l'histoire ça y est, chaque jour, après rappeler nous une série de bagailles, à former caractère nous plus bien, afin que nous capables de préparer nous. Pour autant la fin, nous comptons sur vous, papa. Aidez-nous marcher vers la sanctification. Aidez-nous marcher vers la purification. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen.